Yo mes petits citrons de l'espace, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Movie Star Planet, mais non pas le 1, mais le 2. Il faut savoir que depuis que Movie Star Planet 1, on ne peut plus l'utiliser par navigateur, mais on peut quand même y jouer sur le 2 par navigateur. Donc peut-être qu'il y aura plus de monde sur MSP2 maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, on découvre dans cette vidéo les petites nouveautés. Enfin du moins, moi je vais les découvrir. Je crois que ça fait au moins un an que je ne me suis pas connectée sur MSP2. Et donc, je vais voir si ça a avancé entre temps. En tout cas, je me suis connectée avec Quinzel YouTube. J'ai toujours le même look qu'il y a un an, ça a pas changé par contre. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a du peuple? C'est bon, faut savoir que je filme, il est à peu près 9h30 du matin, même pas. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins de monde, mais bon, on est quand même en vacances les gens, faut se lever. Non, je déconne, je dis ça, mais j'étais la première à dormir en vacances. Enfin bref, je découvre, donc qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a des choses, des nouveautés? Voici un lien pour obtenir un pack de cartes MSP gratuitement sur ma page Streamloads pour les personnes qui ont un compte dessus. Ce lien, il est utilisable une seule fois et il est différent dans chaque vidéo MSP. Donc la personne la plus rapide à l'utiliser obtiendra le pack de cartes contenant 3 cartes MSP aléatoires. Voici un petit exemple en vidéo. N'oubliez pas de laisser votre pseudo sur au moins l'une des 3 cartes pour que je puisse vous envoyer les cadeaux gagnés sur les cartes dans un délai moyen de 24 à 48 heures. En général, je vérifie tous les soirs. Et bah du coup, des bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nouvelle récompense. Oh! Ok, donc il y a une sorte de journal, en fait on dirait le journal de MSP1, mais version MSP2, donc en gros, voilà, on a reçu un auto, devient VIP pour bénéficier de nombreux avantages, donc je suppose que c'est pour avoir la version x2 comme on a sur... Ah non, même pas, non, même pas, bah non, bah je sais pas, en tout cas on va tout obtenir, pourquoi pas. Donc ici dans les nouveautés, ah ça c'est parfait, comme ça on va pouvoir directement voir les actualités sur MSP2, donc nous avons un travail en cours, nous travaillons toujours sur le jeu, ça on sait bien. Donc le nouveau thème, je pense qu'on s'en fout un petit peu les thèmes, c'est un peu des copier-coller de MSP1. Voilà, nouveau pack de diamants disponible dès maintenant, donc ça c'est le pack. Bon voilà, ça change pas, hein. C'est la même chose que MSP1, est-ce que on est déçu? Bah non, on a l'habitude, hein. C'est normal. Hein. Ensuite, ça c'était le thème d'avant, ok, là peut-être qu'on a quelque chose de nouveau, nouvelle version disponible, fini le silence, le son et la musique arrivent enfin dans le jeu. N'oublie pas que tu peux toujours nous écrire dans la section commentaires pour nous donner ton avis. Alors honnêtement, bah, sur mes vidéos vous avez de la musique, hein. Ce n'est pas la musique du jeu les amis, donc ne vous en chaliez pas trop, mais c'est vrai que là moi j'ai une petite musique, enfin c'est pas une musique mais en gros un son d'ambiance, des petits piafs, enfin je pense qu'ils sont allés dans la rue, ils ont enregistré la rue, la bande son de la rue. La street, tu connais, et ils l'ont mis sur le game. Donc en gros, voilà, c'est juste une musique d'ambiance. Enfin, pas une musique d'ambiance du coup, mais un son d'ambiance de rue. Des petits piafs, machin, tout quoi. Donc voilà. Ensuite, thème, on s'en bat les steaks. Ça, ouf, horrible, ça c'est toxique. Hein. Limite, j'ai envie de te dire, c'est toxique de faire ça sur Movie Star Planet. Alors autant, tu vois, le message, machin, tout est bon. Mais autant qu'ils mettent ce message-là sans nous donner de cadeaux, c'est mieux. Parce que bon, on connaît hein, les cadeaux type comme ça, Safer Internet. Je me retrouve avec 15 000 trucs comme ça dans l'inventaire parce que tout le monde les envoie. Parce que c'est moche. C'est moche, personne ne porte ça. Donc autant le message, c'est un bon... voilà, c'est un bon message. Je dis pas l'inverse, c'est vrai que ce serait bien d'avoir un internet un peu plus sécurisé. Bon, on va dire que de ce côté-là, Movie Star Planet, faudrait peut-être aussi qu'ils y mettent du leur, hein, n'est-ce pas? On connaît. On coco les bails. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. Donc pareil, copier-coller d'MSP1, nouveau thème, bon. Complète ta collection. Ok, ça c'est le top géométrique qui est donc également sur MSP2. Et là, on remarque également que... comment vous dire qu'il est moche sur les garçons, je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'ils ont bâclé le top version garçon. Genre, ils ont repris un peu le truc de la version fille. En bas, ils ont eu la flemme de le finir, ils l'ont étiré jusqu'en bas pour faire des cases dégueulasses. Je suis désolée, mais s'il vous plaît, Movie Star Planet, repassez par-dessus, faites quelque chose. Je sais pas, modifiez-le parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
Et bah du coup on arrivait jusqu'en bas. Ok, bon bah rien de bien, j'ai envie de te dire, rien de positif, il n'y a absolument rien d'intéressant. Donc on va aller voir un petit peu, est-ce qu'on a des nouvelles émoticônes, je sais pas trop, oui on a des nouvelles, oui on a pas mal de nouvelles émotes, bon je pense que la plupart c'est des copier-coller également de MSP1, ici qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, ça c'est la démarche, ça j'aime bien par contre, ça j'aime pas mal cette façon dans MSP2 de pouvoir changer la démarche. Je trouve ça hyper cool, chose qu'on n'a pas sur MSP1, mais bon, comparé à la dernière fois que je me suis connectée, ils en ont peut-être ajouté, mais pour l'instant, je vois aucune fonctionnalité qui a été ajoutée depuis. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si chez vous, bah, y a eu de la nouveauté, parce que moi, pour l'instant, je remarque un nouveau... Ouf, studio, attendez. Ah ouais, non, je me suis fait une hype dans ma tête pour rien, les gars, parce que je pensais vraiment qu'ils avaient rajouté la création de films, mais non. Donc, ici, on a les artbooks. On a les artbooks. Bon, c'est pas fou, hein. C'est la même chose que dans MSP1. Et la plupart des gens, ils mettent des blagues. J'ai l'impression qu'Amy, elle s'enjaille sur ses blagues. Pourquoi les livres ont-ils toujours chaud? Parce qu'ils ont une couverture. Oh non, s'il vous plaît. Non, du coup, les artbooks, je crois que la dernière fois que j'avais joué, il n'y avait pas les artbooks. Donc, petite avancée, il y a les artbooks en plus. Waouh. Waouh. Alors, les looks, forcément ça existait déjà depuis bah, la bêta. Rien de nouveau, toujours, cette possibilité n'a pas changé. Ensuite, bah ça c'est, voilà, bientôt, ça fait un an qu'il y a marqué bientôt sur cette page. C'est vraiment le truc que j'attends le plus au monde sur MSP2, c'est la fonctionnalité de création de films. Sans quoi je ne vais pas jouer à MSP2. C'est vraiment le truc qui va faire que, oui ou non, je vais venir sur MSP2 et c'est toujours pas disponible. Quel dommage, mais bon, d'un côté, des fois, vaut mieux attendre plus longtemps et avoir quelque chose de bien qu'ils le sortent en mode One Again Beast to Fly et que ce soit dégueulasse. Mais bon, ça les empêche pas quand même de ne rien sortir du tout. Ensuite, ici c'est quoi? Ici c'est quoi? C'est quoi déjà bientôt cette fonctionnalité? Attendez. Parce que là, on a le look. Ah oui, ça, c'est la création des vêtements. Vous savez, le mode créatif des vêtements, quand on peut personnaliser les vêtements et après les revendre. Ok. Et là, c'est les photos. Toujours pas. Alors pourtant, les photos, c'est pas un truc hyper compliqué à ajouter dans le jeu. Enfin, je suis désolée, je suis pas développeuse. Mais je pense que c'est pas hyper compliqué d'ajouter juste une fonctionnalité pour ajouter des photos. Encore, tu me diras, pour créer des films, c'est un peu plus compliqué. Il y a besoin de plus de recherche et plus de développement. Autant une fonctionnalité juste pour ajouter des photos de son ordinateur ou de son téléphone. Eh bien, il y a toujours pas. Ok, donc ici, rien de nouveau. On va voir, est-ce qu'il y a des nouvelles maps sur ce game? Non, je pense qu'il y a toujours la même chose. Attendez, il y a ça. Le Club VIP, il me semble qu'il n'y avait pas... Alors, ah non, il n'y a pas la même chose. Avant, il n'y avait pas la forêt non plus. Je vais aller visiter la forêt, ça m'a l'air plutôt sympathique. Et bien évidemment, ils ont rajouté un endroit VIP. Oula, il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent. C'est ouf. Je vais leur dire. Oh my god, il y a des gens qui... Mince. Qui parlent. Il y a des gens qui parlent, mais c'est fou. Mais c'est vous les gars, MSP, ça existe? Un chat où il y a des gens qui parlent sur MSP2? Oh mon dieu, la découverte. Non mais je suis choquée. Alors attendez, je peux m'asseoir? Ça c'est bien, ça par contre, ça fait penser un petit peu à Abo. Là... Elle m'a dit... Et bah je sais pas, si c'est à moi qu'elle parlait. Ah c'est pas cool hein. Ok, elle s'est barrée. Oh non, je suis morte. Elle arrête pas de courir, elle a mis une démarche où elle court. Non franchement ça pour le coup on peut dire que c'est plutôt pas mal. Pourquoi elle lui dit de bouger la pauvre? Elle va où elle veut non? Et l'autre elle craque des allumettes pour le feu qui est déjà allumé. Je vais lui dire meuf, le feu il est déjà allumé. À cause de mes faux ongles, j'écris mal sur mon clavier, ne vous inquiétez pas. Vu que mon ongle il va sur deux touches en même temps et... Toi elle veut... Oh on dirait une enfant, arrête! Mais arrête! Mes allumettes! Donc ferme-la. Oh non elle m'a dit t'es pas 15 L, alors ferme-la. Oh non je suis trop triste. Oh, je suis trop triste. Je vais lui dire, mais je suis la vraie. Je suis la vraie. Mais mon dieu, elle est en train de me dire, je suis pas la vraie 15 L, les gars. Non. Comment ça, non? Ben, bah si.
Oh, on peut zoomer. Preuve, vidéo à 17h. En même temps, je vais jamais sur MSP2. Moi-même, je me croirais pas si je rencontrais une quinzaine YouTube dans un chat sur MSP2. Non, mais c'est stylax. En vrai, c'est stylé, si. Voilà, non, vidéo à 17h. Meuf, tu vas voir, je suis la vraie. Voilà. Bon, j'arrête mes conneries. On a regardé un petit peu, donc ça, c'est cool. Et il y a un autre endroit qui est sympathique. Bah, c'est ça. Ça a l'air beau, mais malheureusement, je ne peux pas y aller parce que je ne suis pas VIP. PTD. Mais je pense qu'elle me croit toujours pas. Hein. Si c'est vrai, je t'aime. Oh, elle fait pas de faute quand elle écrit. Oh, elle a raison. À cause de mes faux ongles. Vous allez voir que c'est vrai, les amis. Vous allez voir. Ouais, mais on va voir à 17h. Je veux dire, t'inquiète. Ah bah je crois que j'ai bugué. Comme quoi, c'est pas si optimisé que ça. Regardez, j'ai bugué sur ce... Je suis désolée hein, si je te mets un vent à Eleven la VIP, hein, mais comme tu vois, je... Voilà, ça ici, j'ai toujours la petite musique de la forêt, enfin la musique, le son d'ambiance, en mode les petits piafs, couille. Mais je ne peux plus jouer. Ça a figé les gars. Bon, c'est pas grave, bah en tout cas, rien de nouveau au niveau des fonctionnalités, comme vous avez pu le constater. Nouvelle map, ok, l'ajout des artbooks, ok, mais voilà, ça, en un an, ils ont juste fait ça, c'est scandaleux, voilà, c'est scandaleux. Bon, écoutez les amis, je m'arrête là pour cette vidéo, parce que, bah, en flemme de me reconnecter, voilà. Et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez me revoir sur MSP2, des bisous et ciao ciao.